voilà. Bon, Sergi, hein? Tu ne dis rien, tu te tais et tu regardes. C'est compris, non? Pourquoi? Parce que si toi tu parles là, tu vas gâter nos chances d'être embauché. Ah! Donc tu veux dire que si je parle, tout est gâté, quoi? Non, c'est qu'il faut comprendre. Tu sais, dans ce genre de trucs là, quoi, il faut une certaine technique. Quelle technique? Ça, c'est simple là. Bonjour monsieur, vous avez du boulot pour nous? Oui, ok, bon, on veut un gros salaire. Et puis, bon, on veut 2 heures de pause par jour. On travaille pas samedi, dimanche. Bon, c'est fini, non? Si c'est ta façon de demander du travail, faut aller, moi je t'attends au dehors. Mais attends, qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, tu as vu? Laisse-moi faire, hein? J'ai l'expérience, moi. Bon, d'accord, je t'attends. Voilà. Je t'attends, ouais. Bon, d'accord. Et surtout, ne bouge pas, hein? Parce qu'on ne sait pas. Depuis qu'il a envie de voir ta vilaine bobine, là, on ne sait pas quoi. Non, je ne bouge pas. Hein? Et puis, je ne connais même pas ce quartier. Ouais. Mais je vais regarder les gens passer, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Sugi. Ouais, Sugi. Non, je viens tout d'accord. Hé, hey, tiens, il faut bien parler là-bas. Ouais. Bonjour patron. Bonjour. Ouais. Ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Oui, ça va. La famille? Oui, ça va. Dieu merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ne sais pas si Kader vous a parlé de moi et mon cousin. Comment est-ce que vous vous appelez? Souké. Ah, Souké. Effectivement, il m'en a parlé hier. Oui. Ouais. Bon, je passais pour vous demander si vous êtes d'accord, quoi. Bon. Vous savez, c'est la saison morte. Pour le mois, je n'ai pas besoin d'ouvrier. Vraiment, je comprends bien. Mais ce que mon cousin et moi, ce que nous aimerions, c'est faire de l'apprentissage. Vous savez, vraiment, en réalité, là, l'handicap est que je n'ai pas les moyens pour vous payer. Oh non, mais si c'est ça, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Ah, ce que vous allez nous donner, là, fera notre affaire. Là, nous, le principal, c'est d'apprendre la menuiserie, c'est tout. Ah, d'accord. Mais là, ça va. Mais seulement, comme vous insistez, si vous êtes d'accord, je vous donnerai 1000 francs par semaine. Dieu. Ben, pour votre déjeuner. Celui qui ne va pas être content. Hein. En fait, vous avez déjà travaillé chez un menuisier? Oui. Non, monsieur, mais en tout cas, on est plein de bonne volonté. Si c'est travailler là, on est là de... Travail, d'accord. Mais il ne faudrait pas tout mélanger ici. Ça, c'est vrai. Oui. Mais j'ai une réputation à entretenir. D'accord. Oui. Mais bon, si c'est ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Parce que nous, notre devise, c'est travail bien fait, client satisfait. Ah, là, ça nous arrange tous. Hein. Donc, voyons voir. Vous venez demain à 7h. D'accord, d'accord. Ouais. Bon, au revoir, patron. Au revoir. Voilà. Merci. Merci, patron. Merci. À demain, patron. Au revoir. Merci. C'est sous quoi? Souké. Souké. Mon bonjour à Kader. D'accord. Salut le bien pour moi. Merci. Parce que si tu aimes Sirigui même, c'est pas la peine. Sirigui... Mais il faut que... Thank you.
Tu es seule, non? Oui, Salif doit revenir aujourd'hui même. Quoi? Revenir? Tu l'avais chassé? Toi aussi. Il est parti à Banfora, je ne sais pourquoi faire. Il m'a donné des explications, mais je n'ai rien compris. C'est parce qu'il a fini avec les petites filles de Bourou qu'il est parti à Banfora, quoi. Maïs, je n'aime pas ça, hein. Cesse de me provoquer, d'accord? Pardon, Manisoure, hein? C'est juste pour te faire mousser un peu. Toi aussi. Il faut savoir rire de temps en temps. Quand ce sera ton tour chez toi là-haut, on verra si tu vas bien rire. Toi aussi. Tu n'as pas peur qu'il te ramène des maladies bizarres? Si c'est ça là, ne t'inquiète pas. Avant qu'il ne parte là, j'ai mis un paquet de préservatifs dans son sac. On verra s'il est parti pour travailler ou s'amuser. Oumou, papa, c'est pas possible. Hein? Tu penses qu'il ne peut pas en acheter là-bas et laisser ce que tu as mis dans son sac là? Tu ne connais pas les hommes là, hein? En tout cas, moi je connais très bien Salif. C'est pas les gens à fignoler. Il saute sur tout ce qui lui tombe sous la main. C'est comme les mouches à merde. Tout ce qui sent mauvais là, c'est pour lui. Oumou, vraiment, toi tu es courageuse d'être. En tout cas, il viendra me trouver ici ce soir là. Hey, viens t'asseoir, ouais. Tu as arrêté depuis là. Tu es vraiment courageuse, ma petite soeur. Bon, c'est à toi de brasser les cartes. Ah, cette fois, j'ai de l'avance sur toi, plus de 100 points. Est-ce que tu sais que tu me déconcentres à toujours parler là? Au lieu de parler, brasse les cartes, nom de Dieu. Eh, vraiment, on est là pour se distraire là, pas pour s'engueuler. Tu sais, à 500 francs la partie, moi ça ne m'amuse pas. Hein. Allez, vas-y, je te surveille. Dis donc, tu veux dire que je triche? Moi, je ne t'ai rien dit du tout. Ça, c'est toi qui l'as dit. Eh, vraiment, ne me traite pas de tricheur, parce qu'on ne va pas s'entendre. Tu as compris? Nom de Dieu, joue au lieu de bavarder là. Personne ne t'a traité de quoi que ce soit ici. C'est mieux, parce que la dernière fois, la partie a fini en bagarre. Tu t'en souviens? Ce qui est sûr, c'est que la partie là, elle va se terminer tout de suite là même, avant même d'avoir commencé, si toutefois tu ne donnes pas les cartes là. Non. Allez, vas-y, je te surveille là. Hein. Non, regarde, Efanasa. Regarde, bon, ça va. Allez, donne les cartes là. Où est-ce que j'ai foutu ma cigarette, moi, encore là? Voilà. Ok. Mais, Souké, tu es devenu fou, là? Non, c'est celui que je cherche, tonton. Il a disparu. Disparu? Ben, c'est bien ce que je disais. Tu es devenu fou. C'est vrai, tonton. On était ensemble tout à l'heure, là. Mais là, quand je suis sorti, il n'était plus là. Bon, attends. Calme-toi et explique-moi tout doucement. Voilà, on est allé voir Adama le menuisier, là, quoi, pour du travail. Mais là, quand je suis sorti, je ne l'ai plus vu. Ah bon? Du travail? Oui. Mais vous n'en avez pas du travail? Et d'ailleurs, qui vous a dit d'aller chez Adama, même? Non, tonton, on veut apprendre la menuiserie, quoi. Oh, c'est pas possible. Ces deux-là vont nous rendre fous ici. Bon, tâche de le retrouver avant que la police ne l'arrête en ville. Tu as compris? Moi, j'ai cru qu'il était venu m'attendre à la maison. Mais... Et puis, en plus, il ne connaît pas les quartiers où on est parti là. Est-ce qu'il n'est pas allé chez Amadou? Comme ce n'est pas loin de chez Adama. Hein? Bon, tu vas courir vite là-bas et tu reviens nous informer. D'accord. Tu as compris? Dépêche-toi. Oui, au lieu de t'arrêter comme un âne là. Oui. Allez. Hey, ces deux imbéciles là vont nous causer des problèmes ici. Hey, tu as vu? C'est bien fait pour toi comme ça. Problème. Parce qu'on n'avait pas assez d'un, tu allais en chercher ailleurs. C'est pas ça. Même si vous ne le trouvez pas, moi je ne suis pas dedans. Si c'était ta fille, hein, tu n'allais pas parler ainsi. Non, ma fille ne peut pas être comme cet idiot là. Elle ne peut même pas se perdre en ville, elle est trop éveillée pour ça. Il n'y a pas de danger, malheureusement. Bon, je vais à mes travaux. Si j'attends à la radio qu'on a annoncé un fou, tout nu, en divagation dans les rues, je vais vous informer. Tu vois, je ne suis pas aussi mauvaise comme tu le penses. Voilà. C'est bien comme ça, là. Bon, c'est dur comme ça. Je vais aller voir Souleymane BF. Peut-être que lui, il pourra me trouver une solution. Eh oui. C'est bon. Voilà, il va falloir. C'est très bien. Fati, viens prendre ton café. Le Dieu là est perdu. Non, là, ne dis rien, tu comme accès à fort, quoi. C'est bien comme ça. Je vais devoir partir. Oui, tu donneras bien le bonjour à ton mari. Toi aussi, enfin s'il rentre. Comment s'il rentre?
Il a intérêt, s'il ne veut pas que j'aille le chercher là-bas. Yeah. Bon voyage. Hein. Ah. Dépêche-toi si tu ne veux pas rater le quart de 10 heures. Oui, il faut partir. Si tu ne... Prends ce dossier la tête. Oh, moi je vous laisse. Balaou mandine. On t'a appelé toi? De quoi te mêles-tu même? De rien, je ne veux que la paix, rien que la paix. Tenez, si tu veux vraiment la paix, tu restes chez toi s'il te plaît, d'accord? Yeah. Eh. La cour là c'est pour toi. Regardez. Tenez, j'étais déjà prévenue. Hein. Si tu me cherches là, aïwa, hey. Tu sauras de quoi je suis capable. Hein? Mais c'est quoi? Hey, va voir ce que fait ton mari là-bas. Pendant ce temps, nous on restera tranquille ici. Occupe-toi de ton petit fonctionnaire de pacotille, oui. Tu crois qu'il est différent des autres? Hein? Pauvre naïf comme ça. Différent, wa. En tout cas, lui, il rentre tous les soirs à l'heure à la maison. Évidemment, ce n'est pas un fonctionnaire, non. Tout le monde sait que leur travail ne les fatigue pas. Ils ont largement le temps dans la journée pour faire ce qu'ils veulent. Carrie. En tout cas, tout le monde sait que tous les soirs, c'est pour moi. Tout le monde ne peut pas en dire autant. D'accord. C'est ce que tu me dis, que. Oui. Attends, j'arrive. Libérée. Hey, espèce de pleureuse comme ça, là. Pourquoi tu provoques les gens comme ça? Sans tes papas, non. Sors! Viens! Pleureuse comme ça. Carrie. Toi, tu viens plus comme ça même. Hein? Voilà, regarde-moi ça. Souké, qu'est-ce que tu fais vautrer dans mon divan comme ça? Hein? Avec ton gros ventre là. Hein? Tu n'es pas allé à ton travail? Non, c'est toi que je suis venu voir comme ça. Moi? Ouais. Il est arrivé quelque chose, ouais. Bon, ce n'est pas quelque chose de grave, mais ça pourrait le devenir. Hé, hey, parle-le de faire des discours pour rien. Ah. C'est Sirike qui a disparu depuis ce matin. Bon, je suis passé te voir, bon, peut-être qu'il est venu chez toi, quoi. Dispar quoi? Disparu? Comment ça? Par enchantement? Non, non, nous étions ensemble chez quelqu'un, là. Maintenant, quand moi je suis sorti, je ne l'ai plus vu. Hé, hey, toi aussi. Il n'est pas allé faire un petit tour, là. Le problème est qu'il ne connaît pas la ville, oh. Et... Oui. Mais il a une langue là. Il peut demander aux gens. Demander. Façon c'est lui qui parle blablabla là. Non, personne ne va comprendre quelque chose avec lui. Bon, Souké. Tu vas passer chez Amadou à son service. D'accord. Il connaît bien le chef de la police municipale. D'accord. Ils sauront le retrouver. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci beaucoup, Maïe. Souké, ne t'inquiète pas. Hein. Personne ne s'est encore perdu à Bogo. T'as compris? Avec Siriki, il faut s'attendre à tout. Ça, tu as raison. Je le connais très bien. Bon. C'est un inter-villageois, c'est vrai. Bon, bon. Il connaît rien. Il connaît rien, voilà. Ville, bon, je vais demander la route. Oui, oui. Merci beaucoup. Hein. Oh, ouais, vraiment, je vais me reposer un peu. Oui, entrez. Ah, tonton. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Oui. Tonton, ouais? Tu viens pour consulter? Hey, garde salam alaikum là pour tes clientes. Hein. Mais on dirait que tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Ah, en tout cas, je ne suis pas de bonne humeur. Ce sont mes deux neveux qui me font courir. Tes neveux? Mais explique-moi que je comprenne quelque chose. C'est Siriki. Il a disparu. Disparu? Ah bon? Donc on disparaît maintenant en ville. Et je ne suis pas au courant. Ah là, j'ai du retard. Hein. Ben, il est parti avec Souké faire je ne sais quelle ânerie. Et il a disparu en ville. Salaud. Ah oui? On disparaît maintenant en ville. Ah oui. Il va falloir que je commande un nouveau logiciel. Sûrement que le mien est dépassé. Hey, Souké, laisse ton logiciel quoi là-même. Et regarde comment le retrouver. Tonton, tu vois, ce n'est pas aussi simple comme tu le penses. Ah bon? Il faut que je fasse la mise à jour de mon programme. Mmh. Sinon, je vais vite te passer au ciel. Ah bon? Oui. Ah. Sans ton machin là, tu ne peux rien faire quoi. Nye Kabakoye, c'est quel marabout ça? De mon temps, les marabouts n'étaient pas aussi compliqués. Un peu de sable, quelques courriers et hop, le travail était bien fait. Tonton, ouais.
il faudrait savoir ce... Je ne sais pas comment je vais dire. Il faut savoir évoluer avec le temps. Ah bon? Wallahi billahi. Mm-hmm. Sinon, c'est la faillite assurée. Regarde, grâce à mon site internet là, on me consulte depuis le monde entier tous les jours. Ton quoi, wa? Inter machin là. Hé, hey, Souley, regarde si tu vois Siriki. On va gagner du temps. Mais, tonton, tu veux la vérité? Hein? Il aurait déjà pris l'avion à 7h. Aïe, ah bah. Qui t'a dit qu'il a pris l'avion? Il est toujours à Bobo en ce moment. Hein? Siriki, prendre l'avion. Et avec quel argent? Est-ce qu'il a une pièce d'identité même? Et pour aller où? Si ce n'est pas à Dorodougou. Bon, tonton, je vais faire la mise à jour de mon programme. Et après, je passerai à la maison t'informer de mes résultats. Ah bon? D'accord? Dépêche-toi de le retrouver parce que celui-là, Haya. Non, attends tranquillement à la maison. C'est du Moulibaly et garanti sur facture. Et? Oui. Quelle facture? Non, bon, comme c'est la famille, et ça passe dans les frais généraux. Parce que nous sommes devenus maintenant des frères généraux. Ha, ça alors, toi aussi. Oh, nom de Dieu. Bravo, je gagne. Mais seulement, ça fait 3 fois que tu gagnes là. S'il te plaît, tu peux avoir une cigarette là. Écoute, tu vas pas commencer à m'emmerder toi. Bravo, non. Là. C'est pas la guerre là, hein. On est là pour se distraire là. Hein? Tu as du feu, s'il te plaît. Ah non, ça tu me tapes complètement sur le système maintenant là. T'as pas de cigarette, n'as pas de feu, n'as que ta gueule pour fumer, toi, nom de Dieu. Hein? Ça va pas, non? Ah non, ça suffit maintenant, là. En attendant, envoie les 500 francs. Je n'ai plus d'argent, tu m'as tout volé, là. Tout! Je ne t'ai rien volé, c'est toi qui as voulu faire la partie à 500 francs. Je ne dis pas non, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais seulement, moi, j'ai pas dit qu'il fallait tricher. Hey, je n'ai pas triché, c'est pas de ma faute si tu es nul. Moi, je suis nul? Est-ce que tu sais que si tu continues de m'insulter, c'est mon poing qui te va attraper sur ta sale petite gueule de tricheur. Non, hein? Toi aussi. Continue. Hein? On est là pour s'amuser, là. Hein? Bravo. Ouais. À quoi vous jouez aujourd'hui? C'est pas cet énergumène-là qui me traite de tricheur. C'est faux, c'est lui. Regardez-moi ça. Brahma, oui. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Hein? Donne-moi 1000 francs pour que j'aille au marché. Mais et où est-ce que tu veux que je les prenne, là? Ce voleur-là, il m'a tout pris. Ah ouais. Hein? Si tu veux, je peux te les prêter. Tu ne prêteras rien du tout ici, là. Hein? Toi, passe à toi un peu. Hein? En 2 temps, 3 mouvements, je le plumet, puis je te donne ton argent, là. Dans ce cas, je vais dans ma cuisine. Allez, vas-y là. Aïe, 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 la fatigue. Oh, ma doudou, tu es là? Oh, salut. Chérie. Bonne arrivée. Merci. C'est comment, ça va ici? Oui, ça va. Dis, je t'ai manqué? Oui. Et tes parents? Qu'est-ce que mes parents viennent chercher là-dedans? Comme il est de coutume chez vous, dès qu'on a le dos tourné, d'aller raconter des trucs là-bas. Là. Tu crois que je n'ai que ça à faire? D'ailleurs, même on a déjà tout raconté sur toi. Il n'y a plus rien à dire. Bon, donne-moi mes tapettes là. Je vais me changer et me laver ensuite. On n'a rien fait. Salif, et le voyage? Ouf. Ça ne t'a pas trop fatigué? Là, non, trop. Mmh. On a envoyé les touristes au Dôme, au Pic des Saint-Doux, la mare aux Hippos. Donc tu comprends que vraiment ce soir, un voyage trop fatigant. Ah, ça c'est vrai. Mais où avez-vous dormi? Ben, on a dormi quelque part à côté de Saint-Doux. Là, il y a un petit campement. C'est là-bas qu'on a dormi. Mais yé, je t'ai pas dit quelque chose. Si tu vois les moustiques là-bas, gros, gros comme ça, on dirait des hippopotames avec des ailes. Mais toi, tu as eu de la chance. Ils ne t'ont pas piqué. Oui. Non, il faut croire tout simplement qu'ils ne m'aiment pas, hein, ces moustiques-là, sinon... Ah, yeah. Ils devaient être des moustiques mâles sûrement. Si ça avait été des moustiques femelles... Des anopheles. Ah, déjà. Directement le palu. Bon, en attendant, je vais ranger tes habits. Ils
Bon, je vais aller me laver maintenant, mais je t'assure que tu m'as trop manqué, quoi. Tu vas pas me faire la bise, là, en attendant que je ne revienne de la douche. Gros menteur, là, laisse-moi. Y a quoi? Salut, c'est quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça, là, c'est quoi? Tu peux m'expliquer? Mais parle, là! C'est quoi? Hein? Qui a mis ça dans mon sac? Qui a mis ça? C'est pas ton sac, non? C'est quoi, ça? Voilà, et vraiment, tu me dois combien? Je ne te dois rien du tout. Je n'aime pas les tricheurs. J'ai gagné les 2500 francs sont à moi. C'est mon point que tu vas attraper dans ta gueule là qui va à toi si tu touches à l'argent là ici là. Tu vas voir, si je ne vais pas prendre ce qui me revient. Regardez-moi ce vieux bouc là. Mais non, de Dieu, je te demande ça. Ça fait qui con, ça va pas chez toi, non? Bref, hein? Ça va pas chez toi. Hein? Et toi, retourne à tes casseroles là-bas et laisse-moi régler mes comptes avec ce escroc là. Escroc toi-même. D'ailleurs, garde ton argent, je n'en veux plus. C'est pas mieux comme ça si jamais tu touches à l'argent qui est sur la table là. Tu jures que tu vas partir allongé comme ça. Allongé, ça, tu connais? C'est ta position préférée quand tu ne triches pas aux cartes. Mais non, Dieu, je te démonte ce petit con là. Mais ça va pas, non? Regarde-moi ça. C'est quoi ça? Hein? C'est pourquoi personne ne veut venir chez toi? Hein? Tu es content maintenant? Tous des feignants, des bons à rien. Tous au chômage là. Je ne perds pas grand chose moi. Tu oublies qu'ils sont comme toi. Et puis vous me fatiguez tous là. J'allais me rafraîchir un coup en ville. Dégagez là-bas, bande d'improductifs là. Brahma, c'est un vrai fou. Il a laissé l'argent là pour moi. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Comment Souleymane? Moi je ne voulais pas qu'on le retourne. Bon arrivée. Bonjour tout le monde. Ce n'est pas trop tôt. Comment ce n'est pas trop tôt? Hein? Qui t'a dit de faire venir Siriki en ville? Oh, toi je ne t'ai rien demandé. Aïe. Tu as dit que ça ne te regarde pas. Donc ne t'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas, mais je dis seulement la vérité. Tu as compris? Mais garde ta vérité pour ta fille. Tiens, hein? Moi, tu as compris? Sule, tu as regardé pour moi? Je n'ai pas encore eu le temps. Hein? Et puis vous tous là, je ne suis pas un bureau de placement de personnel. Hein? Si tu as besoin de quelque chose, il faut aller voir au ministère du Travail. Mais d'accord? Sule, je ne connais personne là-bas, comment je vais faire? Et moi, tu penses que je connais tout le monde dans cette ville? Hein? D'ailleurs, qu'est-ce que tu sais faire toi? Hein? Je ne sais pas. Je suis prête à faire tout ce qu'on me donnera, du moment que ça soit dans mes compétences. Justement, quelles compétences toi tu as? Si ce n'est pas la bouche... Alors, Soulé, tu consultes... Quand tu sauras, viens me voir. Hey. D'accord? Soulé, hein? Tu consultes ou quoi? Bon, tonton, comme je viens de faire ma mise à jour, je veux voir ce que je peux faire. On y va. Je ne veux pas prendre le tour, c'est fatigué. Faut laisser ça comme ça. Oh, attention. Je vois. Je vois beaucoup de calebasses. Mais vraiment, c'est flou, hein? C'est flou, hein? C'est flou. Hein? Tu parles. Il est sous, oui. Mais j'ai bien entendu. Attends, toi aussi. Hein? J'ai bien entendu, là. Hein? Si vous m'énervez, je ne pourrai rien faire, hein? Soleil, essaie encore. Tu arriveras là? Faut essayer. Mais, est-ce que ce ne sont pas des virus que tu as chargés sur Internet? Hein? Virus? Oui. Quel virus? Ma voix, ta génie n'est pas malade. Y'a mec, lui, ça ira. Donc, ta génie attrape le virus maintenant. Est-ce que tu ne vas pas le faire vacciner? Silence, vous tous! Si vous m'avez fait venir, si vous m'avez fait venir pour m'insulter, je repars tout de suite, c'est quoi? Oh, Soulève, vas-y. Essaye encore. C'est bien comme ça. Que ça soit flou encore pour une deuxième fois. Hé, hey, Fati, tais-toi. On ne veut pas qu'on le retourne. Il faudra que Dadi se donne ça. Donc, allez laisser partir. Attention. Hein? Je vois toujours la même chose. Beaucoup de calebasses éparpillées un peu partout. Le reste est flou. Attendez, Soulé, je sais où il est. Ah bon? Oui. C'est où ça? Je sais, venez. Tu sais où? Je sais où il est. Bon, alors. Je sais. Alors, de le rattraper? Rapidement, je sais où il est. Venez. Allez, mets-toi devant. Ouais. Alors. Alors, attendez-moi à la porte, je vais me changer. Alors, la carata sera tout, il y aura la. Elle sera ouverte à tout le monde. Couille.
Tu vas chercher un gros mangeur comme ça du village qui vient nous embêter ici. Tonton? Regardez cet imbécile là. C'est lui. Il y a un mariage.